Salut tout le monde, c'est Temogod de la Team Zombie Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode d'Assassin's Creed Rogue, le 8ème si je compte bien, si je me souviens bien. Donc on est à 11% de l'histoire et c'est parti, on continue, on y va, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait tué des Templiers la dernière fois. Pour récupérer la boîte qu'on sait pas comment ouvrir et je crois qu'on n'avait pas encore récupéré le manuscrit que personne n'arrive à décrire. Je sais plus, on va voir. Oh, parce que je suis assez... Alors. Donc il fallait prendre le bateau, ok. Et après je sais pas par contre ce qu'il faut faire. Hop. Merci, Shay. Alors. Donc on va prendre les commandes. On va partir. D'ici, alors voilà, là-bas, tout droit. Parti. Est-ce qu'on peut avoir un déplacement rapide ou pas? Non, ah, merde, je me suis trompé de touche. Est-ce qu'on peut avoir un déplacement rapide? Oui, je peux. Alors, hop, je vais vous passer l'étape du bateau, hein, parce que bon, c'est sympa, mais ça nous fait perdre du temps et on n'avance pas trop quand je vous laisse les passages du bateau. Donc voilà. Maintenant, quand je peux faire un déplacement rapide, je le fais. Comme ça, ça vous permet de voir plus de trucs déjà. Et puis moi aussi, ça me permet d'avancer un peu plus vite. Parce que j'ai envie de découvrir autant que vous la suite du jeu. Donc voilà, je suis pressé aussi. Alors, Sleepy Hollow, on en était là. Donc on a une mission, on avait tout fait hein, je crois, Sleepy Hollow, non, on avait pas tout fait. Regardons. Ah non, on n'avait pas tout fait, il nous restait encore plein de trucs, hein, Sleepy Hollow. Oh, c'est quoi ça? Bon, bah, on va commencer par ça, écoutez, hein, hop. Avant de faire la mission, on va juste vider l'endroit. Parce que ça me... détenait une carte des Templiers. Ah, déjà, c'est plus intéressant alors. Carte des Templiers, donc en dessous d'un sapin. Une sorte de sapin. On est bien 591-347. Ah non, du tout. 591. Ah mais oui, mais je suis... 558-918. Ah, donc ça doit être là. Donc près, donc c'est... dans un cimetière, apparemment. Donc on va aller voir. On va aller voir le cimetière. Est-ce qu'il peut y avoir un cimetière? C'était vers là. Hein. Ouais, voilà, il y a l'église, je pense que le cimetière est derrière. Okay, donc on va aller voir. On va aller voir, j'ai une carte qui marche. Alors, elle est où l'église? Attendez. On va aller chercher la carte, on va voir ce qu'il y a. Donc là, il y a l'église. Où est le cimetière maintenant? Le cimetière, il est là. Ok, donc là, normalement, on doit trouver ici. Enfin, dans les parages, quoi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dans les parages. Ah, ou c'est peut-être celle-là. Non, c'est plus celle-là. Alors, c'est plus là. Est-ce que ce serait... Où est-ce que ce serait? Ce serait genre... Non. Alors, attendez, on va revoir. Il y a un tombeau avec des tombes. Un arbre, un arbre derrière, bah oui, c'est là, je pense. Non, c'est pas là, genre ici, non. Ou peut-être plus loin, genre c'est pas genre là, non, ici il y a rien. Ah, si, ah, voilà. Ah ouais, il faut être précis hein, quand même, parce qu'il est comme par hasard, il cache, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a trouvé, les amis? On a trouvé une relique des Templiers. 2 sur 24. Ok, donc bon, bah, voilà. On a une carte au trésor en moins à chercher, à découvrir. Et donc, on va aller chercher le champ. On va prendre le coffre après qui est juste à côté. C'est bizarre que j'ai pas vidé l'endroit. Ça m'étonne. Ah, allez, dépêche, dépêche, dépêche. Mais non, imbécile. Non, on l'a raté, hein, les gens. On l'a raté.
Alors, bon, on ira le chercher plus tard, on a raté. Oui, la partition s'est envolée, voilà, exactement. Donc, on ira le chercher plus tard. On va aller prendre tout ce qui est genre coffre, tout ça. Puis, hop, hop. Alors, le coffre, il est où? Le coffre, il est de l'autre côté, non, au-dessus. Il est là. Donc, hop. Voilà, coffre. Sleepy Hollow. Mais on a été à Sleepy Hollow, j'en suis sûr. J'en suis persuadé. Je comprends pas pourquoi. Ah, là-bas, il y a une carte des Templiers. On va aller la prendre. Ça va nous faire. Ça va nous remplacer celle qu'on a utilisée, celle-là, déjà. Et oui, je suis persuadé qu'on avait déjà été à Sleepy Hollow. Donc, je sais pas pourquoi on n'avait pas vidé l'endroit. Ouh, un bel, beau petit bosquet, là. Alors, ok. Eux, je vais les tuer. Je crois qu'ils vont me faire chier. Hop, voilà. Merci. Hop, je la prends. Pendant qu'il a de tourner. Gros bâtard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais me casse pas dans mon truc. Alors, Atlantique Nord, 370-482. Voilà. Bim. Il y a quoi? On va te fouiller même parce qu'on est un gros bâtard. Hop, donc c'était dans l'Atlantique Nord à la carte, donc ça nous intéresse pas pour l'instant. Coffre, on va prendre le coffre qui est tout droit, exactement. Hop, il y a un loup, un loup, un loup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens là. Ah, fais chier, mais fuck. Bah allez vous faire foutre, bande de connards. Venez là. Culé. Hop. Voilà, déjà. Hein? Il est où l'autre? Hop. Hop. Et de deux. Voilà. Là, vous arrêtez de me faire chier. Et puis, vous me laissez tranquille. C'est pas possible, ça. Toujours. Le deuxième. Voilà. Ok, c'est bon. On s'est débarrassé des loups. C'est super. Alors là, il y a des gardes. Faut faire gaffe. On va agir avec Ruse. Qu'est-ce qu'il y a? On va gérer avec Ruse. Boum, ta gueule, voilà. Hop, on prend le coffre et on se casse. Non, on se casse. On se casse. Alors, ok, donc là c'est bon. Donc, on a pris le coffre. On a pris le coffre. On se casse. Regardez, il voit rien du tout. Hop, on marche sur les tombes en plus. On est irrespectueux. Et on va chercher autre chose. Alors, le fragment d'Animus. Il y a une taverne en plus. J'ai même pas débloqué la taverne. Mais c'est à croire que je n'ai rien fait. C'est bizarre. Youpi! Hop! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les alentours? Dans les environs. Là, il n'y a rien. Là-bas, il y a le champ, on y répond tout à l'heure. Donc, on va faire la taverne, puis le fragment, puis le coffre. Enfin, bref, on va tout faire. Alors, la taverne est là-bas. Ouais, qu'est-ce que tu... Pont de Sleepy Hollow, base de données. Ok. Voilà, donc là, c'est la taverne, on va y aller. Hop! Et on va la débusquer. On va la débusquer parce que les gens sont méchants. Ah, ils sont méchants. Ils vont me taper. Regardez, ils m'attendent déjà. Hop, voilà, le truc va me renverser son verre sur la gueule. Et je vais lui péter sa gueule. Et boum. Voilà. Ah, toi, je te compte. Mais caméra, caméra, s'il te plaît. Arrête, 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 caméra, s'il te plaît. Arrête caméra, s'il te plaît. Voilà, coup de boule, boum, et je te termine. Voilà. Ben voilà, c'est trop simple. Bon, la caméra par contre est très dissidente. Ah, ça c'est de la musique. Écoutons. Ouais. Ça danse, on aurait dû danser. Au revoir. Par contre, j'ai pas vu le nom de la. J'ai pas vu le nom de la taverne. Ouais, j'ai pas vu le nom, il me l'a pas montré. C'est moi, c'est pas grave. Alors, donc on a dit qu'on allait chercher le fragment. Ah, il y a des otages. Ah, mais j'arrive pas dans le bon sens. Attends. Non, t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu. J'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Hop, ils ont rien vu. Hop, voilà, ils sont morts. Et moi je les libère.
Ta gueule. T'as rien vu, t'as rien vu. Non, 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 vous avez rien vu. Voilà, ils sont passionnés par moi. Ils s'en foutent des autres. Ah. Recommence pas, toi, avec ton... Arrête, arrête, arrête avec ça. Quand je dis riposter, c'est riposter, ok? Voilà, merci, enfin. Voilà. Voilà, merci. Mais non, t'as rien vu, oh là là. Oh là là. Ils font chier, hein, franchement. Voilà. On va nettoyer la zone, parce que sinon, ils vont faire un caca. Ils vont pas me laisser tranquille. Voilà. Eh, hey, tu te calmes. Tu te calmes, j'ai dit. Voilà. C'est bon, on peut libérer les otages tranquille. Merci. Mes plus sincères remerciements. Je fouille tout le monde. Parce qu'ils ont plein de trucs intéressants. Voilà, je fais toujours une fois. Un. Oh, mais c'est pas possible ça. Donc, quand est-ce que vous comprendrez qu'il faut me laisser tranquille? Pas possible ça. Merci. Alors lui, on va le guaquer. Hop, et voilà. Hop, gros guac de l'amour. Alors. Merci. C'est bon, on a tout libéré là. Ils ont compris qu'on devait nous laisser tranquille ou ça se passe comment là. Ouais, merci. Alors, où est-ce qu'il est le coffre? Il est là. Hop, voilà. Une dague à corde. Alors, on avait dit qu'on allait prendre le fragment avant. Voilà. Hop. Alors, où est-ce qu'il est le fragment? Il est là-bas. D'accord, donc il va falloir monter sur la maison. Si on veut pouvoir l'attraper. Parce que sinon, on ne pourra pas. On ne pourra pas assez haut. Bon, alors, on s'est échauffé là. Hein. J'ai eu mon petit entraînement de reprise, hein, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Hop. Et voilà. Et là, nous voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pas pris encore? Le champ bas, il reste juste le champ. Donc on va aller prendre le champ, on va le retenter, mais on va arriver différemment cette fois parce que je suis arrivé trop de face. En fait, il m'a vu, il m'a cramé. Et... Surtout, Shea a fait n'importe quoi et n'a pas voulu. Il n'a pas voulu sauter sur le bon arbre, donc voilà, on... Merci. Hop. Donc voilà, on va retenter. D'accord, regardez-moi cet imbécile. Il n'arrive même pas à monter sur un talus. Sur un talus, les gens. Merci. Alors, donc le champ, il est là-bas. Donc on va vraiment arriver par derrière. Eux, je vais les tuer parce que ça vengera. C'est pour ma vengeance sur tout ce qu'ils m'ont fait subir les autres. Je peux pas les... Ah si, quand même. Voilà. Ça me fait toujours 14 de prix. Et ça me fait toujours 14 aussi prix. Voilà, c'est 28$. 28 fucking dollars. Toujours en plus. Voilà. Toujours ça. Hop. Vas-y. Et après, on enchaîne avec la mission directe. Vas-y. Et voilà. Vous voyez, dès que j'arrive d'une meilleure façon, ça va mieux. Tout de suite. Hop, voilà. Blue and Red Rose. Et on parle avec la fille, la belle gosse là. Fiat Lux. Voilà, parti. Tu es en retard. Le temps est en train de virer à l'orage. Tu n'es pas le seul à ce qu'on dirait. Master Franklin, mon nom est Shea et voici mon associé Hope. William Johnson veut vous remettre ceci. Oh. Merci, mais je dois hélas différer cette expérience. La reporter, pourquoi? L'armée m'a confisqué mes paratonnerres. Or, ils me sont indispensables pour produire l'électricité et vivifier la boîte. Master Johnson n'aime pas qu'on le fasse attendre. Alors intercédez en ma faveur. Les soldats ont passé la journée à transporter du matériel. Peut-être pourriez-vous leur demander où sont mes paratonnerres et les récupérer. À votre service, sœur. Commence tes recherches au marché près des quais. Je reste ici pour aider aux préparatifs. Mm-hmm. Donc, d'accord. Donc, on doit aller prendre
les paratonnerres qui ont été confisqués à... j'imagine que c'est Benjamin Franklin, puisqu'il l'appelle Monsieur Franklin, et aux États-Unis, il n'y a eu qu'un grand Franklin, hein, donc j'imagine que c'est Benjamin Franklin. Après, si je me trompe, vous me le dites, hein, mais je croyais que c'est un Templier, lui. Il n'était pas réquisitionné pour, par les Templiers, à la base. Oui, mais je sais ce que c'est, la vision d'aigle, ma gueule. D'accord, donc il faut qu'on trouve lui. Suivez le soldat, ok. Il faudra peut-être qu'il bouge, non? Voilà. Je pensais qu'il était réquisitionné par les Templiers, alors j'ai peut-être pas compris, c'est peut-être moi qui ai mal compris l'histoire, mais... Ou alors soit on se fait passer pour des Templiers, je sais pas, mais il est un peu con quand même, puisque après, bon, ça se voit quand même qu'on est des assassins, donc... je sais pas. Là-bas, il y a plein de gardes, plein de... Et je dois pas me faire repérer, hein. C'est l'objectif, je vous le rappelle. C'est l'objectif secondaire, donc on va le tenter, on va essayer. Et puis, ah oui, il part par là, d'accord. Alors, attends. Allez, dépêche-toi avant qu'il se casse, vite. Allez, dépêche. Voilà, on va passer là, voilà, on a 15 secondes. C'est bon, je me rapproche, t'inquiète pas. Voilà, il est là. Hop, on va passer par l'arbre. Hop, hop. Salut. Voilà. Il est là, il est là, il est juste à côté. Juste à côté. Hop, on profite pendant qu'il se casse pour remonter sur le toit. C'est notre meilleure cachette, hein, les toits. Franchement, on peut pas. Oh, oh merde, 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 merde. Non, non, non. Personne l'a vu. Voilà, c'est bon. Je suis là, je suis là, je suis là. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait une vigie sur le toit, fais chier. Bah, je sais pas si ça compte comme repéré, je sais pas. Puisque y en a qu'un qui m'a vu, donc je sais pas si ça compte comme repéré, mais bon. Alors, lui, il est là. Là, on a un saut de la foi qu'on peut faire bien comme il faut. On va descendre, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hop, on se cache dans les... Hop. C'est bon, on est chaud, là. On est chaud. Il y a une cloche. Une cloche, donc on va éviter de se faire repérer. On attend là pour voir. Je confirme, chef. Bon, mettez-le avec les autres. Prenez les paratonnerres, d'accord. Alors lui, il a déjà même cassé les couilles. Donc on va regarder ce qu'on va faire. Voilà, il va venir. Non, ça t'atteint pas. D'accord. Alors lui, déjà, on va le tuer. On va aller couper la cloche aussi pour pas se faire repérer. Hop, toi t'es mort. On va brevetter pour arriver là. Voilà. Alors là, déjà, ils sont combien? Donc là, il y en a 2, 3, ils sont partout. Okay. On va essayer de siffler. Viens là, viens là, viens là, viens là. Hop, on est arrivé. On n'a rien vu. Hop, viens. Viens là, viens là, viens là, viens là. On n'a rien vu aussi. C'est parfait. Comme ça, ça nous laisse un peu la voie libre. On va aller pouvoir couper la corde, la cloche, sans que quelqu'un nous remarque. Hop, voilà, comme ça. Il n'y a plus de cloche, si on se fait remarquer. Alors là, il y a quelqu'un. Il y en a combien? Là-bas, si. Alors lui, on va le siffler. Il va venir, voilà. Il va faire tomber ses lanternes, même. Hop. T'as rien vu. Alors. On va aller là. Hop. Voilà. Pouf. Je me demande bien ce que Master Frank... Regardez, regardez ça, le voleur, le pro-voleur. Regardez. Regardez. On va même pas se faire repérer en plus. Hop, regardez, 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 regardez. Il va venir. Il va venir. Hop, voilà, il a rien vu. Ah, on est des pros, les gars. On est des pros. Travail de pros, ça. Alors, est-ce que maintenant on peut se casser? Là. La tempête s'intensifie. Tu
je ferai mieux de retourner. Ah, je vois ça. Est-ce qu'on va atteindre? Est-ce que si je passe derrière lui, il va me voir? Non, il nous a pas vu. Comme la tempête s'intensifie, on va aller voir vite fait Benjamin, parce que sinon... Ah, vous voyez, c'est Benjamin Franklin, donc c'est bien ça, je me suis pas trompé. Même, je dois pas me faire repérer quand même. Ça change pas le fait que je dois pas me faire repérer. Je suis en zone interdite. Ne nagez pas. Je dois faire comment alors? Je vais passer par là. Objectif réussi. Tu descends. Voilà. Ok, super. Bah voilà, c'est parfait. Voyez, c'était passé. C'est passé crème. Ils nous ont même pas cramé. Sauf un, là, il y a un vigie. Bon, je sais pas si je vais me compter comme repéré, puisqu'après je l'ai tué, mais bon. On verra. Allez hop, c'est parti. Vite, installons tout ça. Ils veulent se faire péter eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez, c'est ouvert. C'est une carte. Regardez. Mais où est-ce? Au Portugal. À Lisbonne, aucun doute là-dessus. Fais-toi discret, Shay. La milice ne va pas tarder. Elle posera sans doute des questions. Que vas-tu faire? Je ne suis qu'une pauvre femme. Je vois. Ok, donc ils ont tout pris. Ok, mission accomplie. Ah, on l'a pas eu. Non, bah, voilà. La vigie nous a cassé notre truc. Voilà. Bah, bravo. Alors, 700, on continue, on enchaîne. Là, on a tout fait. De toute façon, c'est toujours sur la même ville. Donc, on a vu ce que la boîte renfermait. Hein. Ils ont réussi à l'ouvrir sous impulsion électrique. Alors, attendez, je dis ça. Non, c'est pas sur la même. Voilà. Donc, on va faire déplacement rapide to bend. Voilà. Là, on l'a fait to bend. Déplacement rapide, voilà. On enchaîne. Ah, c'est intéressant. On commence enfin à avancer dans l'histoire. Donc on a ouvert la boîte. Donc on a vu que c'était une carte du monde, hein, du monde apparemment d'aujourd'hui. Oui, ça avait l'air d'aujourd'hui. Enfin, je sais plus. C'est en 1752. Donc en 1752, oui, les continents étaient déjà à peu près comme ils étaient là. Donc ça change rien. Alors attendez deux secondes. Je vais voir si je peux pas améliorer mon navire. Je vais voir ça. Acheter. Amélioration. Non. Non, je ne peux rien faire. Ok, bon, bah c'est pas grave. On va aller directement. J'aurais tenté au moins. Le bureau le plus proche est près du Mont Vernon. Hope doit m'y attendre. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Yeah, du poulet. Hop. Voilà, on est chaud, et voilà, hop. Kiri et Layson. Allez, c'est parti. Lisbonne fait presque la taille de Londres ou de Paris. Es-tu sûr de pouvoir trouver cet endroit? Je l'ai vu comme je te vois, Hope. C'est un couvent, situé tout près du port. J'y ai peut-être croisé quelques sœurs en passé. Eh bien, puisque tu connais déjà les lieux, cette tâche éminente te revient. Comprends-tu ce que tu dois faire? Localiser le temple et récupérer le fragment d'Éden. Nous avons trouvé un navire pour traverser l'océan. À New York, je veillerai sur le Moriga. Merci. Liam et moi partons sur le champ. Liam n'est pas en mesure de t'accompagner.
Ton navire t'attend. Sois prudent, Shay. Les fragments d'Éden sont de puissantes reliques. Donc on est mandaté par Achille pour aller chercher les fragments d'Éden dans un temple. Et on va prendre le bateau à New York. Sans Liam, il voulait qu'il vienne avec nous, mais apparemment Achille lui a dit qu'il n'était pas en état de venir. Donc c'est pas grave, on va y aller tout seul, pour une fois qu'ils nous font confiance. Lisbonne, Portugal, novembre 1755. Waouh, ça envoie du lourd. Donc on va à Lisbonne, c'est énorme. Les fêtes de la Toussaint. Waouh. Quel spectacle. Et me voilà à chercher une relique plus vieille qu'Adam et Ève. Nous vivons une étrange époque. Benedictus est, Domine, Deus universi quia de tua largitate accepimus vinum, quo tibi offerimus, fructus vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. C'est super beau, hein, franchement. Oh, c'est vraiment magnifique. Donc déverrouiller le temple des précurseurs. Vous auriez vu l'église, franchement. C'était... Enfin, vous l'avez vu, hein, mais... Mais c'est beau, c'est super beau, c'est super bien fait. Franchement, moi je dis bravo au... Bravo à Ubisoft, quand même, parce que c'est immense, c'est génial. La terre est déverrouillée. Alors, on va... passer de l'autre côté. Ça me rappelle Unity. Hein. Je sais pas si vous l'avez, si vous y avez joué, mais quand je regarde le, oh, donc là il y en a deux déjà. Là il y en a un là, il y en a un là, un à droite, un à gauche. Et en bas je sais pas encore. Quand je regarde, je regarde sur la chaîne de Ghost Knight Unity. Et que Arnaud va voir les assassins dans la cathédrale, ça me fait penser à ça. Hein. C'est exactement la même chose. Ils marchent sur les en hauteur comme ça, genre sur les lustres, sur les plans, sur les plafonds de ça. Et c'est super bien fait, c'est super beau. Et franchement, non, c'est bravo. Allez, on va déverrouiller l'autre. Hop, ça me rappelle ça. Interagir. Hop. La troisième, le feu déverrouillé. Et où est la dernière? Bonne question. Ah, au-dessus, d'accord. Comment je vais faire pour monter au-dessus? Ah, par les grilles, d'accord. Okay. Alors, montons par les grilles. Il y a une échelle, je l'avais pas vue. J'ai pas vu l'échelle. Allez, on monte. Hop. Il est fort quand même. Shay. En plus, il y a le symbole des assassins sur les petites marches. Là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et le dernier. Voilà. Déverrouillé. Hop. Et on doit atteindre l'eau. On a déverrouillé l'eau. On doit atteindre. Comment on va faire pour l'atteindre sans se briser les jambes? Est-ce qu'on descend genre en mode... Est-ce qu'on descend en mode... Non, on va pas... En mode rappel, je le connais, il va jamais se... Non, c'est pas là que je veux, c'est là. Ouais. Hop. Suspends-toi. Suspends. Voilà. En mode rappel. Voilà. Pour une fois, ça s'est bien passé. Hop. Wow. Wow. C'est vraiment comme dans voilà. Unity hein, avec le site des précurseurs. Ah ouais, c'est vraiment comme dans Unity. Hein. C'est beau, c'est super beau. Oh là là. C'est la relique.
Le fragment d'Éden. On a trouvé un fragment d'Éden. Allez, chérie, on y va, on sort. C'était un piège, j'ai l'impression. Fuyez l'église, c'était un piège apparemment. Parce que la relique, elle s'est. Wouah! Ah ouais, l'église s'est effondrée. D'accord. Et. Bah, c'est la ville même, toute la ville s'effondre. Hein. C'est. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe? Fuyez Lisbonne. D'accord, mais j'ai même pas fait. J'ai rien vu de Lisbonne, j'ai même pas pris de vacances. Wow, regardez ça, c'est énorme. Il y a des tremblements de terre, il y a tout ça. Donc on visite vite, hein. Tout ce qu'on peut voir. Donc là, c'est une petite ruelle, c'est très beau. Voici l'endroit où Napoléon a fait son. Wow, c'était un petit enchaînement là. Voici où Napoléon a fait son sacre. Je dis de la merde parce qu'il a fait son sac en France. Hein, donc, écoutez pas, niveau histoire, c'est pas vraiment ça. Hop là. Ça va faire plaisir à Ghost Knight de voir que c'est à peu près la même chose que dans Unity à un moment. Hop, on continue d'avancer. Hein, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, vous arrêtez pas, continuez d'avancer. Hop là. Regardez ça, tout est bien calculé, tout est bien fait. Voilà. Ah non, mince, j'ai raté le. C'est pas grave. Alors, on va passer par là. Oh là 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 là, tout s'effondre. Voilà. Donc c'était un piège, hein, je le répète. Hein, là... Wouah là, là, là. Quand on a pris le fragment dans nos mains, il s'est désintégré. Et... C'est le bordel, pas possible. Allez, on y est presque. On y est presque, là. Il reste 30 mètres. Allez, on peut le faire. On peut le faire. 10, 9, 8, hop. Ouh, attention, ouh, ça fait mal ça. Ça, ça chaille. Ah, ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal. Ça chaille. Ok, donc on continue. Ouais, faut pas s'endormir, chaille. Allez, je suis avec toi cette fois. Je t'insulte pas. Vas-y, on est chaud. On va réussir à fuir Lisbonne. Bah, de toute façon, t'es pas au principal, donc tu peux pas crever. Tu peux le faire, allez. Super. Hop. Hop, on monte sur le toit, on continue. Les toits qui tombent. La ville qui est vraiment en train de s'effondrer. Hein, je crois. Il n'y avait pas un rapport entre. Ouh, ça fait mal ça. Ah, ça va chier. J'ai mal pour lui. Mais c'est pas grave, on doit dépasser le temps. Parce que là on est déjà. Ça fait déjà 33 minutes qu'on tourne, on s'en fout. Moi je veux savoir la fin de la mission, donc peu importe ce qu'il y a, peu importe ce qui se passe, genre je continuerai tant qu'on n'a pas terminé la mission. Hop. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai sauté. Ah, la ville est vraie. Oui, donc je disais, je me demande si... parce que je sais plus en quelle date c'est, hein, mais je vous ai dit, moi l'histoire c'est pas vraiment ça. Mais... je me demande si parce qu'il y a eu un grand tremblement de terre comme ça à Lisbonne, genre un énorme qui avait détruit toute la ville, genre mais quand je dis détruire toute la ville, c'est vraiment sévère. Et je me demande si c'est pas ils reproduisent pas ça et, en mode histoire d'assassins et templiers et que est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est? Je sais pas où on va. Tu nous amènes une chaise. Ah d'accord. On a fait tout ça pour ça? Bon d'accord. Et je me demandais si c'était pas ça. La force du courroux divin. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Wow. Wow, ça a détruit et tout. 100%.
écoutez, genre, je vais vous laisser là, hein, parce que 36 minutes déjà. Je viens de terminer la mission, on a fait du 100%, c'est super. Donc là, on a fait énormément d'histoire. Et vu ce qu'on vient de découvrir, bah, je vais continuer sur l'histoire directement après. Là, je fais juste une coupure et puis je reprends direct. Et puis, bah, on se revoit dans le prochain épisode. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Attendez. Est-ce qu'il y a une cinématique ou pas? S'il y a une cinématique, je laisse, hein, parce que c'est important que je vous coupe pas. Ouais, il y a une cinématique. Alors, je vous laisse. Alors, quelle ville dois-je rayer de la carte cette fois? La tragédie d'Haïti s'est reproduite au Portugal. Un terrible séisme. Des milliers de morts du fait de votre manuscrit. C'est impossible. Personne ne peut déclencher un séisme. On le peut, en activant les machines des précurseurs. Tu as vu la boîte, Hope? Le temple était comme animé d'un pouvoir similaire. Vous? Vous m'avez fait massacrer des innocents. Comment oses-tu? Tu le défends? Machine. M'y a envoyé comme Mackendal a envoyé son agent à Haïti. Par le diable. Que se passe-t-il ici? Arrêtez! C'était une mission fort délicate. Peut-être as-tu... Vous faites bouger la Terre! Qui êtes-vous pour décider du destin de villes entières? Fais-le sortir. Qu'est-ce qu'il y a sur celle-là? Il s'embrouille. Voilà, c'est le tournant, là. Ouais. Liam se trompe s'il croit que je vais me laisser faire. Achille n'est pas digne de confiance. Il ne faut pas qu'il trouve d'autres temples. Rien ne peut justifier un tel acte. Ni son titre de mentor, ni ses souffrances dues à la mort de sa famille. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, alors, stop, ok? Hop, moi je m'arrête là, stop. Donc, on reprend dans le prochain épisode. Et puis, salut tout le monde, ciao, ciao, ciao. Là c'est le guac, là, parce qu'il va passer Templier d'un moment à l'autre. Et je le sens, c'est dans le prochain épisode que ça se passe. Donc, suivez-le, abonnez-vous à la chaîne, abonnez, aimez. Et puis, voilà. Allez, salut tout le monde, ciao.